Regardez cette vidéo. Le FBI a fait une découverte surprenante en perquisitionnant la maison du rappeur Diddy. Après avoir reçu un signalement anonyme de voisins concernant des activités suspectes depuis son arrestation, les agents ont été envoyés sur place pour mener une enquête plus approfondie. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le personnel de Diddy, visiblement nerveux et mal à l'aise, tentant désespérément d'empêcher les agents d'entrer dans la maison. Le comportement suspect du personnel a aussitôt renforcé les soupçons du FBI et les agents ont décidé de procéder à une perquisition sans délai. En fouillant la maison, ils sont entrés dans la chambre de Diddy, où ils ont remarqué que le sol près du lit semblait avoir été récemment perturbé. Intrigués, les agents ont déplacé le lit et ont découvert une entrée dissimulée sous un tapis. Ils ont alors décidé de descendre dans ce tunnel mystérieux, malgré les efforts du personnel pour les en empêcher. L'attitude désespérée du personnel ne faisait que renforcer l'urgence de la situation. Après avoir parcouru une certaine distance, ils ont découvert une pièce avec une porte ouverte. À l'intérieur, des objets étranges étaient éparpillés, y compris des vêtements d'enfants. À chaque part, l'atmosphère devenait plus pesante et les agents ont commencé à ressentir une angoisse inexplicable provenant du fond du tunnel. Pensez-vous que c'est Diddy qui a... Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. La famille, le FBI a ouvert le dossier sur le rip de Michael Jackson. Pourquoi? On soupçonne qu'il y a les éléments qui indiquent que P. Diddy est impliqué. On vous a habitué dit que le truc là, que son le rip de notre star, là, la méga star du monde, là, la plus grande star qui a existé dans tout le monde entier. Oui, de l'histoire même de la musique, de la pop. Oui, il a été rip. On dit que wow. Maladie, oh, ceci, non. Pourtant, il y avait même des incohérences avec son médecin, le médecin qui soignait Michael Jackson avant son rip là. Mais jusque-là, les gens ont réussi à éteindre l'histoire. Maintenant, on a réouvert le truc, vous comprenez un peu. On a réouvert le truc. Et quand on dit que, quand le diable décide de te lâcher, mais moi, j'ai donc dit ceci. Si celui-ci, P. Diddy, on sait qu'il est derrière le rip de Tupac, le plus grand rappeur de tous les temps. Maintenant, ils savaient qu'il est derrière, si on réussit à prouver qu'il est derrière le rip de la plus grande star du monde, ça veut dire que celui-ci, on doit finir avec lui, avec toute sa génération. Moi, je vous dis. Parce que finir avec lui, ce n'est pas suffisant. Avec toute sa génération. Vous avez dit que je suis méchant. Ses enfants, c'est ceci. Non, on doit finir avec toute sa génération, avec même celle qu'il a mis au monde. On finit avec. Moi, je vous dis, moi, je parle clairement. On élimine, on dit non, vous ne devez pas exister. Parce que c'est trop méchant. C'est trop méchant. Tu prives l'humanité d'une méga star comme Michael Jackson, Tupac. Et la famille, attention, il reste à savoir. Parce que petit à petit comme ça, vous allez entendre qu'on va dire qu'une autre information va arriver là, qu'il est aussi derrière le rip de Whitney Houston. C'est là où on dit que mon frère, finalement, mon frère, c'est quoi? Ne soyez pas surpris. Quand on dit non, Whitney Houston, on dit qu'elle t'aime. Qu'elle a rip à cause d'overdose de substances là, il faut qu'on revoie le cas là. Après on dit, hey, puis il était dedans. Ha! Mon frère, yes! 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 Oui, on sait déjà qui est derrière le rip de Tupac. Certains disent que Tupac est encore vivant, mais il y avait là quelqu'un qui était sorti et témoignait que PDD l'avait payé pour rip. Donc il est parti, il a tiré sur Tupac. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'était pas mort. Qu'il est quelque part, il vit. Mais en attendant, il vit. Mais en attendant qu'on arrête P. Diddy ou bien quelque chose arrive à P. Diddy ou quelque chose comme ça. C'est la théorie des gens, les fans, les gens qui ne veulent pas accepter les réalités. Mais alors, il y avait un son qui était sorti. Après le rip de Tupac, c'est sorti. Le titre c'était quoi? Running. Dying to live. Donc, ça veut dire quoi? Je cours.
je meurs pour vivre. Vous interprétez ça comment? Donc, c'est pour dire que quoi? Que j'ai simulé ma mort juste pour pouvoir vivre. Parce que moi, ça, ce sont les sanctions, c'est après son RIP. Hein. Bien après son RIP, des années après son RIP. On dit que c'est le way qu'il a enregistré avant de RIP. On dit, mais comment il RIP depuis les chansons vont que sortir? Il dit, non, il avait beaucoup de chansons là, les gens, jusqu'à même les rumeurs que non, il est vivant quelque part, il est ceci. Mais après, là, il ne sort plus. Vous comprenez un peu? Les gens sont rendus compte de non. Je suis que non, le gars là, il a vraiment RIP. Et maintenant, les rumeurs ressurgissent. Maintenant, on dit que non, qu'il attendait qu'on arrête Pididi pour ressortir, qu'il va ressortir, qu'il était vivant. Vivement que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Même s'il revient maintenant, il n'a plus le talent qu'il avait là. Mais au moins que sa personne, que son péché, on puisse le voir, qu'il est là, il se balade, mon frère. Parce que celui-là nous a fait des choses avec le rap, ouais. Je ne sais pas combien de fans de rap on a ici là, sur la page, sur la famille, dans la famille, mais nous, qu'on a aimé le, on a eu à aimer le rap là, Tupac, c'était fou, le king. Vous comprenez un peu, non? C'était le king. Donc, et son problème avec P. Diddy, c'est qu'il refusait toujours, il refusait de travailler avec P. Diddy. P. Diddy voulait que, non, viens travailler dans mon truc pour le Mogoupane. Vous voyez un peu, non? Tupac refusait toujours, et Tupac chantait, et Tupac dénonçait toujours ces trucs, ces petits trucs qu'il fait là. Tupac passait le temps à parler de ça, mais on ne le croyait pas. Il a refusé de travailler avec lui. Il est donc parti faire quoi? Prendre Notorious B.I.G. pour venir concurrencer Tupac. Pour venir concurrencer Tupac. Pour venir éteindre Tupac, essayer d'éteindre Tupac. Oui, Notorious B.I.G., nous tous on a aimé Notorious B.I.G., il est très fort, mais il n'a pas pu éteindre Tupac. Il a fallu que non, il fallait maintenant qu'il fallait le RIP. Parce qu'on dit, mais jamais mon monsieur n'arrive pas à éteindre cela, non. Il doit seulement le repasser pour Tupac était bourré de talent. Tupac pouvait se placer en studio comme ça et te sort même trois chansons, là. Improvisant seulement. Tu enregistres, tu mets le truc et ça donne. Tupac, aïe! Est-ce qu'il y a existé un rappeur comme celui-là? Tupac! Comme si Dieu a pris le rap, il l'a mis sur lui comme ça, prends. Donc, il est parti d'emmener Notorious B.I.G. pour venir concurrencer. Même chose comme en Afrique, ça se passe. Que c'est David Mansour, oui, que notre feu DJ Arafat dit toujours que celui-là a voulu travailler avec lui, mais en le mougoussant, dès qu'il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre Serge Beno pour venir concurrencer et éteindre Arafat. Donc, c'est pour dire que Serge Beno a accepté les conditions de Mougou. Et en plus, le temps là, avec le cas de Tupac, PDD, Notorious B.I.G. avait accepté le Mougou. Parce que sur la liste des gens que lui-même l'a donné, qu'il a Mougou, les hommes et femmes qu'il a Mougou, Notorious B.I.G. est dedans. Jusqu'à lui dire que, man, PDD, j'ai le costaud poids de Notorious B.I.G. là, mon frère, tu es fort, PDD. Ouais. Donc, c'est à peu près la même histoire. Oui. Que c'est pas, j'espère que j'appelle bien, non, c'est David Mansour. Oui, j'ai vu ça dans une. J'ai posté ça non, sur la page. Oui, que Arafat témoignait que celui-là, il est dans la voiture avec celui-là, celui-là touche son way pour dire merde, le way c'est un bon truc, c'est un, tu as l'argent, hein, ça peut bien. Bien me chacouiller là, oui. Arafat a vu que non, l'affaire c'est pas simple. Non. Il a refusé. Vous comprenez un peu. Celui-ci alors, Goumen, avec Goumen, il est parti prendre donc Serge Beno. Vous comprenez un peu. Serge Beno, oui, c'est bien vrai, il fait de la bonne musique, mais il n'a même pas la moitié du talent d'Arafat. On le sait très bien. Même pas la moitié du talent d'Arafat. Oui. Et maintenant alors, du côté de Tupac, on dit donc que Pididi, comme il n'a pas pu éteindre l'autre. Éteindre Tupac avec P. Diddy, il a décidé maintenant de le RIP. De ce côté maintenant de la Côte d'Ivoire, donc on peut aussi spéculer que comme David Mansour n'a pas pu éteindre Arafat avec Sergio,
avec Serge Benoît, il a essayé de rip Arafat. C'est des suppositions, hein. Parce que les histoires sont similaires. Très similaires, oui. En tout cas, hein, on attend. La vérité finit toujours par sortir. On attend. On attend. La vérité finit toujours par faire surface. Hein, la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa plante. Surtout, ne mettez pas les organes.